Bonjour et bienvenue sur sophiefrenchacademy.com. Aujourd'hui, je vous emmène dans un des plus jolis bistrots de Paris, au Petit Fer à Cheval. Et c'est l'occasion aussi de rencontrer le patron. Alors, Xavier, est-ce que tu pourrais nous expliquer l'origine de l'endroit du Petit Fer à Cheval? En fait, il date un peu de la fin du 19e siècle. C'était un comptoir, en fait, ce qu'on appelait à l'époque, c'était plutôt un bougnat. C'est-à-dire on vendait du charbon, on vendait de la charcuterie, etc. Et c'était donc des gens qui venaient principalement du centre de la France, d'Auvergne, et qui avaient trouvé ce business de vendre du charbon, des produits de la ferme ici. Et c'est un comptoir qui a été créé en forme comme ça de fer à cheval, et parce que en fait à l'époque, la plupart des comptoirs au début du 20e siècle étaient dans cette forme où les gens se retrouvaient autour du bar pour discuter. Ce dernier bar en forme de fer à cheval authentique, je ne sais pas si on reste encore dans Paris, d'ailleurs je ne crois pas. Alors si tu devais résumer l'esprit bistrot, les bistrots, qu'est-ce que c'est, si on devait l'expliquer à des étrangers? Ah, c'est un endroit où on est au quotidien, donc il y a des habitués, c'est important, on voit des habitués qui viennent là depuis 22 ans, comme Michel en face. Donc cette idée d'habitué, de bistrot, c'est-à-dire qu'on va boire un café, on mange un sandwich, on mange un plat chaud, un plat du jour. Donc on a une cuisine de bistrot, il y a une cuisine simple, avec des produits bruts et frais. Et ça c'est très important de garder cet esprit que le produit doit être un produit brut et frais. C'est-à-dire qu'on fait vraiment de la cuisine, une cuisine simple, un peu comme vraiment comme à la maison. C'est-à-dire qu'on retrouve avec des plats traditionnels, blanquette de veau, au confit de canard, en passant par l'andouillette, donc des plats vraiment terroir de l'âme. Et puis on a aussi cette idée effectivement du comptoir où on boit, on mange un sandwich, on mange une petite salade très rapide. Et le bistrot, c'est aussi un endroit où on doit servir très vite. Alors je sais qu'il y a une culture du rapide, du fast-food, et le bistrot, on était les premiers à être rapides, parce que quand on va au bistrot, on mange très très vite. On peut servir un plat en moins de 5 minutes. Vraiment cet esprit d'être dans cette convivialité et d'être rapide en même temps. Le bistrot avec une terrasse, c'est important parce que le bistrot, c'est l'endroit où on va se poser. Donc la terrasse est importante pour se montrer, pour voir, pour se reposer. Voilà, le bistrot, c'est si port dans la ville. Hein. Ouais. Il y a aussi un phare parce que le bistrot, il y en avait partout, alors tout Paris. Mm-hmm. Et c'était quelque chose dans toute la France d'ailleurs. C'est où on allait chercher à manger, on allait boire un verre, on allait chercher le journal. Il se passe toujours quelque chose. C'est vraiment partie intégrante de la vie du quartier. Voilà, c'est la vie du quartier. Ouais. Et puis aussi maintenant, effectivement, les étrangers, les touristes qui passent et qui viennent retrouver cet esprit parisien, cet esprit où effectivement on entend au comptoir des conversations, puis cette idée que tu peux rencontrer des gens, où tu peux discuter. Et aussi, je dirais, au-delà de tout ça, le bistrot, c'est aussi un lieu de mélange, c'est-à-dire que c'est ouvert sur le monde, c'est-à-dire que c'est pas un endroit où on va être très cher, on va sélectionner d'un point de vue social. Exactement. Le bistrot viennent des ouvriers, des architectes, des photographes, de tout. Voilà, le bistrot, c'est ouvert à tous. C'est un endroit ouvert sur le monde. Je crois que je ne pouvais pas trouver un meilleur interlocuteur pour vous parler du bistrot. Merci beaucoup, Xavier. Merci, et puis j'espère que les étudiants qui veulent apprendre le français viendront parler autour du comptoir. Cheval, exactement. Autour du comptoir, parler avec des Français ou avec des étrangers qui parlent français. Très bonne suggestion hein, pour venir pratiquer et améliorer votre niveau de français. Rendez-vous au Petit Fer à Cheval. Merci beaucoup, Xavier. Merci, bonne route. Merci.